de vêtements de nuit, entre autres, hein, vous avez également les masques de nuit, l'été, en tout cas tout ce qui concerne, je dirais, le sommeil. Donc, la particularité en fait de leurs articles, c'est qu'ils sont faits à base de 100% de soie de mûrier. Voilà, ce qui explique le prix. En fait, la soie, c'est une fibre naturelle. Et en plus, comme elle a pas mal d'imperfections, eh ben, du coup, il y a pas mal de gaspillage au moment de la production, ce qui fait que ça reste relativement cher. Mais en tout cas, la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est des articles de très grande qualité, très confortables, super jolis. Donc j'ai pu recevoir j'ai pu choisir deux articles. Le premier, c'est celui-ci. Enfin, c'est celle-ci. Donc c'est cette chemise. C'est cette chemise de nuit en pure soie. Vous avez un petit col ici en dentelle. Elle est magnifique, elle est vraiment très très légère. Et ce qu'il faut différencier, c'est le satin de la soie. Le satin, en fait, c'est un procédé de fabrication, alors que la soie, c'est une fibre naturelle. Ce qui fait que c'est beaucoup plus cher. Rien à voir avec le polyester qui est assez épais comme matière et qui est en fait trop, je dirais, trop satiné. Alors que là, vraiment, c'est tout en fluidité. Vous voyez, c'est très très léger. Et au niveau je dirais, de la brillance, c'est très, comment dire, c'est léger, quoi. Donc voilà, hop, donc je vous disais, petit col, petite dentelle comme ça, très fine, très jolie, bien travaillée. Vous avez des manches courtes, c'est une coupe droite, et vous avez en fait, elle est fendue comme ça latéralement en fait. Alors moi c'est mon coup de cœur, je dirais celle-ci, ouais c'est mon coup de cœur. Donc vous avez, ça va de la taille S à la taille XL, moi j'ai pris une taille XL et franchement nickel, j'aurais même pu prendre L, je suis vraiment à l'aise à l'intérieur. Voilà, la soie de mûrier s'appelle en anglais Mulberry Silk. Donc c'est très confortable à porter, et en plus ça ne tient absolument pas chaud, donc... Lorsqu'il fait très très chaud, c'est très agréable. Elle est très facile d'entretien, comme c'est noté ici sur l'étiquette. Voilà, ça se lave à la main. Lavage 30 degrés maximum. On n'utilise pas de javel ou autre. Ça sèche facilement. On peut utiliser le fer à repasser, mais vraiment à une température minimum. Il ne faut absolument pas la mettre au sèche-linge. Donc voilà pour celle-ci. Il me semble qu'elle se décline en trois coloris, noir, gris et bordeaux. Au niveau des tailles, ben, je vous ai dit, ça va de la taille S à la taille XL. Et est-ce que je vous ai tout dit? Ah oui, et en fait, le procédé de fabrication, en fait, le tissu ne contient aucune substance nocive. C'est vraiment fait à base de 100% de soie de mûrier. En tout cas, je suis franchement ravie. Je vous montre, je vous mets des petites photos portées. Donc, je vous dis de suite, hein, je ne suis pas très à l'aise. Mais bon, j'ai fait quand même un effort pour vous, parce que la dernière fois, c'est vrai que j'avais testé des pyjamas, et c'est vrai que de juste vous en parler, de pas vous les montrer porter, ben c'est pas pareil. Donc voilà, j'espère que vous noterez ce petit effort. Et ensuite, deuxième pièce, c'est celle-ci. J'ai kiffé. Par contre, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Au lieu de prendre un ensemble pantalon, j'ai pris un ensemble short. Bon, après, il fait chaud encore. Donc, écoutez, c'est pas grave. Surtout que j'en avais un dans le même style, mais au niveau de la matière, au niveau de la douceur, ça n'a strictement rien à voir. Faut savoir que Silky pratique des prix très raisonnables par rapport au prix que vous pourrez retrouver sur le marché. Je crois qu'ils pratiquent un tiers du prix, et ils se servent aussi également, je crois que je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais ils se servent directement chez des producteurs locaux de soie. Voilà, donc cette petite... Hop, on va se remettre. Donc ici nous avons un petit ensemble court avec un petit ensemble court, donc avec un petit short en pure soie. Pareil, ça va du S au XL. Vous avez six coloris, et vous avez aussi, comme je vous ai dit, soit l'ensemble short, soit l'ensemble pantalon. Donc ici nous avons un haut avec un col ici à revers, une petite poche à l'avant, des manches courte. Voilà, c'est une taille, enfin c'est une coupe droite, donc une coupe régulière. Pareil, super doux, vraiment de très très belle qualité. J'aurais trop aimé que vous puissiez en fait toucher à travers la vidéo. Voilà, vraiment très joli. Hop.
Franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Ouais, vous avez des petits boutons ici à l'avant et vous avez des petits liserés noirs. Donc moi, j'ai choisi la couleur, c'est une sorte de couleur rose nude. Et ici, donc, nous avons le petit short. Voilà. J'avoue, il me va un chouïa serré. Hein. Un chouïa serré, mais il faut savoir que moi, j'ai des cuisses. Hein. J'ai des cuisses et des fesses. Donc bon, il faut quand même pas mal de place. Et je l'ai également pris en XL. Mais le haut, sinon, nickel. Et vous retrouvez en fait les petits liserés ici au niveau du bas du...